suis une tortue alligator, Mero. Je... j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Il va manger avec une paille pendant un mois. Ça, c'est l'opération, frérot. Comme des ombres dans la nuit. Totalement invisible. Ouais. C'était quoi? Le flash d'un appareil photo. On sait que c'est un flash d'appareil photo. Qui a déclenché le flash? D'après mes calculs, c'est une fille. Faut la faire mourir. Quoi? De rire, la chatouiller, lui faire des guilis-guilis. Je m'en occupe. Ah, non, 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 arrête! Ah ah ah. L'appareil photo. T'entends? Il fait sa voix de Batman. Oh, elle est trop canon, ma carapace va éclater. Oh, on entend vos âneries. Si tu me donnes pas ton appareil, je vais te... Ça suffit! Pousse-toi de là, Raph! Quoi? Je peux pas... J'ai vu Batman qu'une fois, d'abord. Mademoiselle, bonsoir. Mille excuses. Mon collègue a oublié de dire « s'il vous plaît ». Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, me remettre l'appareil photo? Oh non, 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 oh, oh, on se détend, hein. C'est qu'un masque. Regarde, arrête de flipper. Tu vois? Ah. Tranquillisant, on les veut vivants. Oh non! Reculez! Mais faut juste éviter qu'elle te touche. On y va, c'est parti! Ça se passe, les gars! Oh, vous croyez que ça va être facile, hein? Je suis une tortue alligator, Mero! Je... j'ai fait exprès! J'ai fait exprès! Pourquoi tu dis toujours ce que je dois faire? Grouille-toi! Mickey! Faut que tu sortes un peu d'ici, allez! C'est comme si c'était fait! April, viens avec moi! Je sais où tu peux te cacher! Et si jamais t'as soif, j'ai un stock de canettes d'orangeade planqué derrière le frigo! Dis rien, Raph! Toutes ces années, j'ai essayé de recréer le mutagène. Et aujourd'hui, c'est toi qui me l'apporte. Jamais je ne te laisserai toucher à mes fils. Tes fils! Tu te prends pour leur père? Pas mal, Laura.
cette petite idiote. April. Les enfants, ils furent attirés par les distractions qu'offre le monde extérieur. Et je savais qu'un jour, ils voudraient explorer ce monde d'en haut. Qu'ils allaient être ridiculisés. Qu'il leur faudrait apprendre à se protéger, devenir plus forts mentalement et physiquement. Hé, hey, quelqu'un veut jouer à saut-de-saut ? Saut 2, saut 3. Qu'est-ce que tu fais, Raph? Allez, je peux pas y jouer tout seul. Faut qu'on soit tous les quatre. T'as un saut de retard. T'en veux une? Faire un lièvre et la tortue. Ça me saoule comme toi. Oh, ça suffit. C'est vrai, t'es juste un rappeur. Quoi? T'as vu ces femmes? Ouais, laisse tomber. Et un jour, j'ai trouvé la solution. En premier lieu, il a fallu que j'assimile l'art ancestral du ninjutsu. Les frères suivirent mon exemple, progressant à une vitesse extraordinaire. Y'a quoi, man? T'en veux encore? Je suis un fantôme, je suis de ce côté. Et non, je suis là, man, je suis un mirage. Je suis l'ombre flamboyante d'un dragon de feu. Leur don était aussi devenu leur passion. Ils ne vivaient, ne respiraient, ne rêvaient qu'au rythme des arts martiaux. Puis un jour, ils furent prêts. Le katana, la plus noble de toutes les lames, l'arme du leader. Tout ce qu'ils sont, oui, tout ce qu'ils sont devenus, n'a été rendu possible que grâce à la bravoure dont tu as su faire preuve en cette nuit tragique. Cool. Je n'étais qu'une petite fille. Tu nous as pourtant libérés quand beaucoup nous auraient laissés en cage. Attendez, père. Vous nous avez dit pendant toutes ces années qu'on a été sauvés du feu par un grand esprit protecteur, le Hogosha. C'est juste. Je vous présente le grand Hogosha. Petite copine et le Hogosha. Aïe.